Et voilà, de retour en fréquence. Bon, du coup, ce que j'étais en train de faire, j'y arrive pas. Quand ça ne veut pas, faut passer à autre chose. Oh, il y a du monde. Un breakover. Ouh. Je sais pas ce qu'il y a quelqu'un qui parle ou pas. Salut, j'ai capitulé, j'ai tout lâché là. J'ai là, j'en peux plus là. Il faut une petite décontraction des neurones, là ça va me faire du bien. Les 73-51, l'ensemble du groupe, à l'ensemble du Québec. Il y a une station de Saint-Pierre-et-Miquelon aussi là derrière. J'ai entendu d'autres QTH. Enfin bon, bref, la propague est là. Ça, c'est super. Pendant ce temps-là, d'autres disent qu'il n'y a plus personne en fréquence. Ça, c'était un petit clin d'œil envers les grincheux. Merci, merci beaucoup. Oui, il y a du monde. Et puis je t'entends le dire aussi, hein, quand je te vois repasser les micros à droite à gauche. Là, j'ai une oreille, j'ai l'oreille gauche là qui est sur le web SDR d'Ottawa. Je vois comment je passe dedans. La propague est là, il n'y a pas de problème. Hein. On dirait que ça fait crescendo même. Ouais. Il y a du monde. J'ai entendu du monde gazouiller du côté du web SDR d'Ottawa, mais rien de comestible, on va dire. Oh ben oui, ouais comme d'habitude. Ouais ben de toute façon là, ouais ben c'est la propague, hein. C'est voilà. Hein.
Puis en plus, là, ça me fait du bien, quoi. Je sais pas si t'as vu, mais le groupe Facebook, le mien, là, depuis hier soir, il est en pause. J'en ai marre des gens négatifs, des pas contents de la vie et tout ce qui s'ensuit. Là, je l'ai mis en pause. Voilà. Ça va calmer tout le monde comme ça. Hachi, ils ont qu'à être un peu plus en fréquence, ceux-là. Ah ben le plus important, c'est que les stations profitent de toi. C'est moi, je suis que le staff derrière, c'est tout. Non, 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 moi je le vois pas comme ça, hein, je le vois pas comme ça, parce que au début de l'ouverture de la Propag, cette saison, à tous les matins, presque on était les premiers en fréquence, là. Et puis là, on dirait qu'il y a une station sur le Gironde en vacances. Eh ben toi, si j'étais en vacances, eh ben je pourrais être au moins plus souvent en fréquence. Quoique, ça va rien dire, parce que les vacances, chez moi, c'est synonyme de boulot. Non, non, mais c'est que... Bon, je vais essayer d'être sérieux, là, 30 secondes. Là, c'est que en ce moment, je suis occupé à ce point-là. Et là, par exemple, là, dehors, j'ai une remorque pleine à emmener à la déchetterie. Ça fait une semaine qu'elle attend que je l'emmène. Et ce sera pas encore aujourd'hui parce que là il tombe des cordes dehors ici. Donc là non mais c'est compliqué à ce point-là effectivement. Hein. Et j'essaie de faire là mon web SDR. Et là où tout le monde arrive, ben moi là pour le coup je porte le bonnet d'âne. J'arrive à rien, ça marche pas, ça veut pas. Je comprends pas là. C'est dommage que je connais personne là sur mon coin, personne de QRO, je veux dire, Hachi, qui puisse m'aider là, parce que c'est vrai que là pour le coup je perds patience, j'y comprends plus rien quoi. Attends, il y a quelqu'un derrière. Ah, j'entends chuchoter derrière, tellement que c'est QRP de mon côté. En avant la station. Non, ben ça veut plus. Ah, j'ai compris. Ça doit être des stations que j'ai en FM. Wow, la propagande a tourné? Ouais, ben du coup c'est du vent de la moustache FM là que j'ai eu là, que j'ai pris pour quelqu'un qui chuchotait derrière. Ouais, c'est bizarre. Ou alors c'est la propagée là, parce que toi aussi tu m'as un costaud, mais c'est les OM aujourd'hui là qui. On est quel jour? On est jeudi? Ah ben ils sont tous au boulot. Putain, pour une fois que les gens travaillent quoi. Puis on était ici avec notre psychiatrie et tout, puis notre
Ouais, t'es à toi, justement, j'étais en train de regarder le signal. Santiago 7, Santiago 8, ça tourne, c'est stable, hein, ça tourne autour de ça de mon côté, ouais. Bon, autrement, je pense que t'as dû faire beaucoup de contacts, là, depuis tout à l'heure que t'es au micro, non? Ouais, tu le sais, ça va bien, on est quoi, Ah, ok, ouais. Ah, j'ai laissé un blanc pour voir parce que on entend quelque chose dans le lointain, mais bon, c'est pas pour nous apparemment. Hein. Bon, et la frontière franco-belge alors? Il est où la frontière franco-belge? Il est où? Et il est pas là. Et du côté de Toulouse, est-ce qu'il est là aujourd'hui? Ah, il y a quelque chose qui est passé, il y a quelqu'un qui est passé là. Ah, il l'a entendu. Locaux sur le Québec pour parler entre eux, ils se mettent plus du côté des 40 canaux là-bas. Et ils ont raison. Pour laisser les sup pour le DX. On va dire que pour faire du local, ce serait plus à nous de descendre du côté des 40 canaux. C'est un peu logique. Avec la mise en place 14 000 ou 7 000 à tous les jours,
Merci pour le retour de micro. Hop, j'ai cru entendre quelque chose au moment de reprendre le micro. Les 73-51 Jean-Pierre, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur la Gironde, sur le Castillonnet à côté de Saint-Émilion. Allô, la tour de contrôle, nous avons perdu Jean-Pierre. Ah, il va nous manquer quand la propague aura tourné. Qu'on glissera vers la propagueté. Merci pour le retour de micro. Ouais, c'est vrai que j'ai quelques petites percées par endroit. Puis bon, j'ai un QRM, je sais pas ce que c'est. Je me demande si le temps n'est pas un peu orageux, ou alors si c'est de la moustache. Je sais pas, c'est un petit peu... J'ai des petits bruits là derrière, là, par intermittence. C'est pas régulier, je sais pas. La fréquence est pas très propre, là, de mon côté. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Mais c'est trop QRP. Quoi. Ouais, je vois deux villes derrière, mais c'est tout. Je crois que département 59, je crois. Alors, les 73-51, lui, alors je le devine derrière, mais sans plus. Hein. Et il m'a semblé entendre le département 59, je suis pas sûr. Mais autrement, pour le Azut 012, ouais, que ça soit du côté de l'Ottawa comme au QRA, je le devine tout juste.
Alors, quand j'ai entendu ton report, putain, j'étais bleu, quoi. Ah mais il m'arrive dans le QRM, il m'arrive trop QRP moi de mon côté hein. C'est je le devine derrière mais c'est tous en plus hein, faut vraiment pas qu'il y ait que j'ai un peu plus de QRM parce qu'il est pour le coup il n'arriverait pas chez moi. Je l'ai de toute façon je suis en train de faire une vidéo et on verra tu verras bien dedans et je bafouille. Et à propos d'être toujours occupé, dans la voiture, j'ai un filtre alimentation qu'un copain m'a fabriqué. J'ai toujours pas eu le temps de mettre les bornes dessus. Les branchements sont faits à l'arrache comme ça. C'est pas sérieux, ça! Lui passe. J'avais pas compris. Désolé, j'avais pas compris. Dieu, ça a chuté. J'essaie d'écouter. Sur le poste, et les voix baissent d'hier en même temps.
Ça a fait du grumeau entre les deux. Du coup, j'ai rien compris. C'est partout que j'ai ça. Là, j'ai enlevé le filtre, le DSP. Ah, je l'ai remis. Petit redémarrage de caméra avant que je zappe. Les 73, c'est Michel, et bonne fin d'après-midi. De mon côté, c'est descendu à 52-55. Ça fait le yo-yo, hein. Ah ben, tu m'étonnes. Au fait, oui, re-73-51, re bon après-midi à Michel, KQRT. Non, mais de toute façon, toi, tu te fous toujours dans des endroits où ça passe super QRO. C'est t'as le doigté pour choisir les QTH QRA et être sûr que ça va forcément passer carton là une fois que t'auras monté l'antenne. Et effectivement, que ça soit là où tu étais avant en face de d'Ottawa là-bas j'ai oublié le nom. Ou alors que tu sois là ici à Pointe Calumet, dans les deux cas là ça passe carton. Ben. Pour être autant ouvert.
57. Et puis, quand on est stationnaire ici, c'est deux choses, hein. Et puis, ben moi, Gatineau. On s'est installé l'endroit ici, on a acheté la maison. On s'est stationné dans le stationnement à l'avant, puis j'ai fait des contacts. Et puis, quand on voit qu'on fait des contacts, et puis, les filles, on va avoir la saison, ça vient. Et puis, en réception, ben, il y a pas trop de QRM, hein. Et voilà la combine. Et il a raison. Ouais, mais je m'en suis bien douté. Hein. Ça, j'en étais sûr que t'avais fait comme ça. Ouais. Et tu vois, si un jour, justement, on vient déménager là dans le nord de France, dans le Pas-de-Calais, bon, vu la météo qu'il y a là-haut, on est de moins en moins sûr. Mais bon, on sait jamais. Justement, avec Fabienne, on se disait, quand on trouvera une maison là-haut, si toutefois on y va, avant, j'écoute au niveau de la CB, voir ce que ça donne. Si c'est propre, ça sera OK. Si c'est dégueulasse, alors là, même pas en rêve. Dans le bas de la bande, ça passe mieux. Oui, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Mais avant d'arriver sur la fréquence, pendant que j'étais encore en train d'essayer de me dépatouiller là avec mon Raspberry, là pour faire mon web SDR, j'étais sur le 27385 en Lima Sierra Bravo. Et en bas, par contre, ça passe constamment, quoi. C'est la propague est constamment là depuis. Alors pour nous, depuis les environs de 8h, 8h30. Ouais, c'est ça. Ouais, 8h, 8h30 par là AM. Donc, j'entends siffloter derrière. Je relâche le micro. Dans la vidéo. 15h10, 3h10. Le département 04. Patrice. Ah, tiens. Ouais, c'est les Alpes de Haute-Provence, Gilles. Ça a commencé à tout rater.
Quand il dit tantôt, c'est qu'il doit regarder l'heure. Sur ces vidéos, on voit. Il a deux pendules. Il a deux réveils. Un qui est réglé chez lui, forcément. Qui est dans le fond à droite. Et l'autre plus en avant avec l'heure de chez nous en France. Quoique pour le petit calcul, hein, pour le décalage horaire, c'est facile. Là, on voit la petite aiguille qui est sur le 3. Donc forcément, chez lui, ça sera sur le 9. Donc 9h10, 9h15 pratiquement. Oh la vache! Et quoique, on n'est pas jaloux, hein, 14 ici, là, chez moi. Mais il pleut. Comme cela, il l'a eu hier. Ah cool. C'est ça le Québec, c'est la bonne franquette. Ah, il y a quelqu'un qui parle. C'est trop petit. Là. C'est trop petit. Oh yeah, le maître des ondes du Québec a parlé. Le maître des ondes du Québec, le monsieur, accrochez votre tube avec de la botte, oh que oui. Ça pète le feu. Décompte, c'est la décontraction des neurones.
Oh, moi j'en ai plus, moi là. Ah, moi c'est plus la peine d'en chercher, il n'y en a plus. Quoi. Ah ben de mon côté, oui, c'est clair, hein, c'est ça. Hein. Ah là, il n'y a plus rien, là. Le peu qui me restait, je l'ai bouffé, là, tout à l'heure. Oui, Gretel. Et puis, comment va toute l'installation du WebSDA, tout arrangé, ça fonctionne? Eh bien, puisque t'en parles, non, pas du tout. Non, j'y arrive pas. C'est alors le nano ordinateur, lui, fonctionne très bien. J'ai même passé plusieurs systèmes d'exploitation dessus. J'ai même installé plusieurs systèmes dessus et tout ça. Mais dès que j'en arrive à mettre le programme, le logiciel pour le WebSDR, eh bien, il veut pas s'installer. Il y a quelque chose qui fait que ça veut pas. C'est j'en suis toujours au même point, quoi. C'est depuis 3 jours là, je me triture, je me détruis le peu de neurones qui me reste. C'est j'ai beau essayer en long, en large, en travers. C'est alors comment te dire, les liens vers le programme, pour récupérer les programmes sur Internet, eux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Ça s'ajoute à l'ordinateur. Mais après, quand je fais installer, eh bien, ça bloque, ça veut pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'aurais besoin de ton aide, là, Gilles, justement, toi qui es très doué en informatique, pour m'expliquer comment contourner ce problème. Pour arriver quand même à l'installer, quoi. Et comme ça, après, quand tu m'auras expliqué comment faire, je pourrai ensuite, une fois tout fait, te donner le lien pour que tu puisses écouter de mon côté, quoi. Aïe, 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 aïe. Je l'attendais. Ben oui, sauf que moi, j'aimerais bien l'avoir pour avant-hier. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce même logiciel sur l'ordinateur, il fonctionne très bien. Mais bon, je vais pas bloquer mon ordinateur que j'utilise tous les jours quasiment H24, hein, parce que là c'est ça, il tourne tout le temps, hein. C'est je vais pas le bloquer exprès pour ça alors que j'en ai besoin. J'ai acheté l'autre le micro nano ordinateur exprès justement pour ne pas bloquer l'ordinateur à faire ça dessus. Et je comprends pas, ça ne veut pas. Pourtant il va falloir que ça le fasse quand même. Et je piche pas là. C'est grave docteur, je crois que oui. Ça suffira pas, quoi. Des fois, on arrive à tout, hein. Mais c'est sûr, si on craque, à un moment donné, c'est de faire de marche à reculons, là, comme on dit. Puis, c'est pas ça qu'on veut, hein. Là, avec ta patience, là, toi, je sais que tu vas y arriver, hein. Je sais, toi, avec elle. Eh ben, t'es plus serein que moi parce que déjà là, ça m'a traversé l'esprit d'attraper le marteau et bien foutre un coup à travers la tronche. Après, je saurai pourquoi il marche plus après. Mais au moins ça sera une certitude. J'ai laissé glisser un petit peu le mot à Fabienne. Elle me dit comme ça, je t'en rachèterai pas d'autres. Oups. Surtout qu'elle oublie un détail, le compte il a tous les deux, hein. Donc moi aussi je l'achète, hein, sur le passage. Bon, trêve de plaisanterie. Franchement, j'ai essayé plusieurs systèmes dessus. J'ai effacé le système d'exploitation, j'en ai mis un autre et ainsi de suite.
J'ai bien fait peut-être une bonne dizaine de changements de système d'exploitation. Pour t'expliquer comme ça vite fait, pour toi, le système d'exploitation sur ton ordinateur, c'est Windows, hein. Donc voilà, moi de mon côté, c'est différents Linux que j'ai testé dessus. Et il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à installer ce foutu là, le logiciel pour faire un web SDR dessus. C'est je comprends pas là, il y a un truc qui m'échappe. Oui, moi aussi. La preuve qu'il y a des blancs puisqu'on les entend. Parler tous les deux en même temps. Yeah.
2-0 pour le prénom. Non, ici, le 9, bravo Charlie, 555. Opérateur Gilles pour le Québec. À chaque côté, merci. Bravo Charlie, 555. Et 73, 14 km, 33-01 Rémi. Ça arrive de partout, là, de tous les départements français, là. L'ouest. Ouais, c'est non trop loin de Montréal. 30 km à l'ouest. Je connais du monde de ce côté-là. Au niveau kilomètre. C'est à l'est de Paris, 77. Ah, j'ai pas tout compris, quoi.
Aïe. Et je relance à nouveau la caméra. 3-4 Alpha Tango, Strode Carnival. 3-4 Alpha Tango, Strode Carnival. Alors ces pointes de compte à rebours comme ça dessus, je sais qu'il y en a qui sont capables de hacker le truc hein, pour supprimer son compte à rebours, mais bon. Je connais rien en informatique. Oh mais il nous casse les... Activation 3-4 Alpha Tango Separation Carnival. You are set. Wow, QSY, QSY. 1-4-1-4. QSY. 1-4 Romeo Lima 10. 1-4 Romeo Lima 10. You are in the lock. 5-9 in the lock. Okay, what is your name? Lui, il vient exprès pour perturber. Ok, Landry, no problem, 100%, 1-4, Romeo Lima 10, you are in the lock, 5-9 in the lock, thank you for... Bon, j'en ai un qui est venu planter la tente ici, il est en train de perturber. Là. Désolé pour la surmodulation, au niveau de l'OMD77. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est sourd ou quoi? Alors ce que certains s'amusent à faire, c'est nouveau ça sur la CB, c'est appeler en duplex. Alors il n'y a rien de plus perturbant que ça. Du coup, au lieu d'être sur une seule fréquence, ben, ils sont forcément sur deux. Hein. Alors, au nombre de stations en fréquence, vous voyez la cacophonie que ça donne. Mais lui, je pense qu'il n'en a rien à foutre qu'on soit là. Ah, d'accord, ça va, j'ai compris quoi. Comme d'autres, ils se prennent pour les seigneurs de la radio. C'est les maîtres du monde. Elle chie trois coups. C'est quoi qu'ils comprennent pas les mecs là? On n'est pas sur Facebook là. Oh Alpha Tango, on n'est pas sur Facebook ici, la QSY, il y a déjà un QSO là. C'est le groupe des tannants ici depuis plus de 15 ans déjà là. Donc merci de faire QSY là. Ah, ils le font exprès. 5-8 in the Gilles, si tu m'entends, je peux pas continuer. Je peux plus continuer le QSO de mon côté à cause des Alpha Tango. Hein. Je suis désolé. En plus, j'entends quelqu'un derrière. Les 73-51, Gilles, je peux plus rien faire de mon côté là. Je suis complètement surmodulé à 9 plus 10 par là, par les Alpha Tango.
FIA in the log. Thank you very much. Bon ben, Gilles, moi tu me rends dans la vidéo. Oh. Je l'ai coupé, mais... Bon, je pense que la propague a dû tourner. Hein. Oh, pitié. 3-4, Alpha Tango, Stroke Carnival. Bon, ben tant pis. Et QSY, plus bordel de merde. QSY. QSY, please. QSY. C'est quoi que vous comprenez pas là-dedans? Bon, désolé, mais là, je peux pas rester là. Ah, il y a des groupes comme ça, ils se prennent vraiment pour les rois du monde. Hein. C'est désolant de voir ça. Ça a été la guerre déjà l'année dernière. Ils arrivent l'année dernière sur le QSO du groupe des Tanans qui sont là depuis plus de 15 ans. Quoi. Et paf, c'est au groupe des Tanans de dégager. Alors les mecs, ça donne pas envie d'aller chez vous. J'ai beaucoup de bruit quand même là. Je m'attendais à plus quand même là. Thank you.
Ben là, c'est pas la peine. Je voulais lancer des appels sur la fréquence Kilomac. Mais bon. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel. Oh, il y a du USA là. Attention, le Québec-Canada pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Attention le Québec-Canada, attention le Québec pour 14 km 3301 Rémi, Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France à côté de Saint-Émilion. Ils sont tous les jours là, mais bon, aujourd'hui ça vaut pas. Alors ça, c'est le canal 11. Ah, c'est autant la foire dessus que sur le canal 6. Voilà, ça c'est fait. Canal 1. Wow. Je comprends.
messaging me. God bless you and your family. This is Needle Bender. I'm on the east coast of South Carolina. I'm going to let you wrap it up. Goodbye, my friend. Passe bien. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.